Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Nous allons parler de jeux tirés de l'un de mes mangas préférés. Vous l'aurez compris, nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette saga, il s'agit d'un manga de 28 tomes apparu pour la première fois en janvier 1986 et qui a très vite été adapté en animé entre 1986 et 1989. D'ailleurs, ces épisodes sont sortis récemment en Blu-ray avec une qualité d'image bien supérieure. Bien sûr, je parle pour le moment de la série originale. Pour résumer, ce manga raconte l'histoire de plusieurs chevaliers ou saintes qui ont pour devoir de protéger la déesse de la guerre Athéna qui se réincarne tous les 200 ans à chaque fois que les forces du mal menacent la Terre. Si vous connaissez cette série et que vous souhaitez la redécouvrir de façon originale, je ne peux que vous conseiller de regarder la série abrégée réalisée par Stet Alchimiste. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, il faudra les rouvrir pour regarder les vidéos, sinon ça ne sera pas pratique. Bref, plusieurs films ont également été réalisés. Je ne parle pas du dernier en date qui m'a vraiment fait mal, mais bel et bien de longs métrages réalisés de 1987 à 1989 racontant des aventures inédites de nos chevaliers préférés. Ce n'est qu'en 2002 que le dernier chapitre de la saga, celui d'Hadès, commence à être adapté en animé, mais sous forme d'OAV. Ce chapitre a été divisé en 3 parties et fut terminé en 2008. Il existe de nos jours plusieurs mangas et séries sur cet univers avec plus ou moins de succès racontant l'histoire d'anciens chevaliers ou au contraire de nouveaux chevaliers. On peut citer par exemple Senseiya épisode G, Senseiya Next Dimension, Senseiya The Lost Canvas racontant la guerre sainte précédente, Senseiya Sentia Show, Senseiya Omega, ou encore plus récemment Senseiya Soul of Gold racontant une nouvelle histoire avec comme héros les chevaliers d'or que l'on connaît. Suite au succès de cette série, des jeux vidéo ont rapidement vu le jour. Dès 1987, les Chevaliers du Zodiaque, la légende d'or sort sur NES. Une sorte de RPG retraçant, comme son nom l'indique, le chapitre du Sanctuaire vu dans la série télé. Ce jeu a d'ailleurs eu un remake sorti en 2003 sur la WonderSwan Color. Au fil des années, d'autres jeux ont été créés, comme un deuxième volet sur NES, Saint Paradise sur Game Boy ou encore Senseiya Ryu Seiken sur PC sorti en 2002. Mais dans cette vidéo, on ne s'intéressera pas à tous ces jeux cités précédemment, mais plutôt aux jeux sortis par la suite. En effet, à partir de 2005, cette saga a pris une nouvelle tournure puisque les jeux seront désormais des jeux de combat en 3D. Nous allons donc voir l'évolution de cette saga au fil des années. On mettra de côté le jeu basé sur la série Omega ainsi que le jeu online sorti en 2013. On parlera uniquement des jeux basés sur la série originale. J'y inclus également la saga Hades puisque ce chapitre est directement tiré du manga. On commence donc avec Senseiya le Sanctuaire sorti sur PS2 en 2005. Ce jeu propose plusieurs modes de jeu mais on va commencer avec le mode histoire. Le jeu commence avec une cinématique plutôt bien fichue racontant l'histoire de la série. On remarque donc qu'il a été entièrement doublé et pas par n'importe qui. Quand on regarde la boîte, il est écrit qu'il s'agit des voix françaises originales. Alors ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a en effet des doubleurs officiels dont Eric Legrand, le doubleur officiel de Seiyar, mais ce n'est pas le seul puisque Virginie Ledieu, la voix officielle de Saori et de Marine, ainsi que Laurence Crouzet, la voix de Shina et de Shenrai, ont aussi prêté leur voix ici. Mais pour les autres chevaliers de bronze, il ne s'agit pas de leur voix officielle. Alors je sais, aujourd'hui, certains de ces doubleurs sont décédés, comme Marc François qui a doublé Shiryu et Yoga et qui s'est éteint en 2009. Pourtant, les comédiens qui ont été choisis pour ce jeu sont connus et doublent ici plusieurs personnages différents. Mais les voix proposées sont très proches les unes des autres, ce qui est un peu dommage quand deux personnages se battent et prononcent des phrases avec une voix quasi identique. Je peux citer par exemple Aldébaran, Camus et Doko, ou encore Shun et Shaka. D'ailleurs, en parlant de Shaka... N'étant pas complètement insensible, je vais arrêter ton pauvre cœur. C'est un sacrifice qui ne me touche même pas. Une fois qu'on a fait le rapprochement, ça fait bizarre. Après, c'est vrai que lorsqu'on connaît la VF de la série animée, on a très souvent des voix très proches les unes des autres, puisque l'équipe des doubleurs n'était pas très grande et devait faire parler des dizaines de personnages différents au fil des épisodes. Bref, revenons à l'intro du jeu. Comme je l'ai dit plus tôt, la cinématique est bien réalisée, même s'il y a parfois des petites erreurs. Chevalier d'argent du Sagittaire lui décoche une flèche d'or. Non, le chevalier du Sagittaire, c'est lui, et il s'agit d'un chevalier d'or. Lui, c'est le chevalier de la flèche. Mais cette erreur est également présente dans la VF de la série animée. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour parler rapidement de quelque chose que j'adore dans le manga. A la fin de chaque tome, on peut voir le design de chaque armure rencontrée dans le tome, ce qui permet de comprendre comment ces armures se détachent pour pouvoir être revêtues par le chevalier, et cela même pour les personnages qui n'apparaissent pas très longtemps, ce qui est très intéressant. Une fois Athéna blessée, les chevaliers se dirigent vers la première des 12 maisons du Zodiaque. Dans la série, Mou du Bélier va réparer les armures de bronze, mais ici, cela a été changé. En effet, cette maison va nous servir de didacticiel, et Mou nous apprendra toutes les ficelles du jeu. Voici donc tout ce qu'il est possible de faire durant les combats. Les combos se font très facilement, il suffit de bourriner la même touche. Si on bourrine la touche carrée, on effectuera un combo avec des coups simples. Si on fait la même chose avec la touche croix, on effectue un combo avec des coups forts qui pourront percer la défense de l'adversaire. Il est normalement possible de combiner les deux touches pour effectuer des combos, mais ceux de base fonctionnent très bien. Bien évidemment, quand on joue à un jeu sur les Chevaliers du Zodiaque, on veut surtout pouvoir utiliser toutes les attaques que l'on peut voir dans la série. Pour cela, il faudra utiliser votre cosmos représenté par la barre en bas de l'écran. Pour l'augmenter, il suffira de concentrer votre énergie ou recevoir des dégâts. Plus on reçoit de dégâts, ou si on est bon, plus il sera facile de charger rapidement cette barre de cosmos. Cela signifie qu'on se rapproche du septième sens.
En effet, au bout d'un moment, il est possible de voir votre cosmos exploser, ce qui permettra d'avoir cette barre pleine jusqu'à la fin du combat et ainsi le rééquilibrer. Il sera donc possible d'utiliser des attaques spéciales en effectuant quelques combinaisons de boutons pas très compliquées, puisqu'il s'agira majoritairement d'appuyer sur une touche et d'enchaîner avec la touche rond. À vous de varier les plaisirs. Vous pourrez même vider votre barre de cosmos d'un seul coup, cela permettra d'éloigner votre adversaire et de lui infliger de faibles dégâts. Quand votre barre de cosmos est pleine, vous pourrez effectuer une attaque Big Bang. Il s'agit de l'attaque la plus puissante des personnages. Pour cela, il suffira de rester appuyé sur la touche rond pour remplir la petite barre rouge en dessous de la barre de cosmos afin de compléter les petits cercles lumineux. Chaque cercle correspond à une attaque. Plus on attend, plus elle sera puissante et bien évidemment plus il sera difficile de la lancer puisqu'il faudra éviter les attaques ennemies en attendant de pouvoir l'utiliser. Si on prend par exemple le personnage de Seiyar, le premier cercle permettra de lancer les météores de Pégase, le second lancera le tourbillon de Pégase et enfin le dernier permettra d'effectuer son attaque la plus puissante, c'est-à-dire la comète de Pégase. Vous l'avez sûrement remarqué, chaque attaque Big Bang est reprise de la série animée et c'est le cas pour chaque personnage. Il est bien sûr possible de les éviter. Premièrement, si vous appuyez sur la touche qui permet de bloquer, l'attaque sera annulée mais votre défense brisée. Deuxièmement, durant l'animation, la touche rond apparaîtra, il suffira juste d'appuyer sur cette touche au bon moment pour actionner la contre-attaque. Une fois actionné, il faudra soit bourriner les différentes touches ou tourner l'analogique le plus rapidement possible. Si vous arrivez à le renvoyer avant le temps imparti, vous lancerez une contre-attaque avec une autre attaque Big Bang mais cette fois imparable. Cependant, ce sera automatiquement l'attaque la plus faible. Tout cela permet de mettre en avant une célèbre phrase de la série, une même attaque ne fonctionne pas deux fois sur un chevalier. Et oui, quand on découvre le jeu, il y a de fortes chances de se prendre l'attaque puisqu'on ne sait pas forcément quand la touche rond va apparaître et le laps de temps est très court. Mais quand on recevra cette même attaque une seconde fois, on saura comment la contrer. Si vous effectuez une attaque Big Bang alors que la barre de vie de votre adversaire est basse, il ne pourra plus se relever. En effet, quand vous arrivez à réduire totalement la barre de vie de votre adversaire, il pourra se relever en bourrinant ses touches ou en tournant son analogique. Il se soignera légèrement et reprendra le combat. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Il pourra le faire 3 fois. Bien sûr, plus il sera amoché, plus il sera proche du 7ème sens. C'est pourquoi il est plus stratégique d'effectuer une attaque Big Bang pour l'achever dès la première barre de vie. Sinon, dans les combats, il sera aussi possible d'esquiver les attaques en appuyant sur triangle ou encore utiliser une technique particulière. Avec un pote, on appelait cette attaque la technique du gros câlinou. Elle consiste à bloquer les attaques adverses et quand l'adversaire se rapproche de trop, hop, un gros câlin, ce qui permet d'activer une animation qui est en réalité une projection. Câlin gratuit ! Oh non ! Un retournement de situation ! Selon le personnage que vous choisissez, l'animation sera différente. Après avoir appris les bases du combat, le jeu peut commencer. Chaque combat sera introduit par des cinématiques plutôt bien fichues et dynamiques, ce qui donnera envie de fighter. Il faudra donc aller de maison en maison et vaincre le chevalier d'or qui la protège. Après chaque combat, vous obtiendrez une note, si elle est supérieure ou égale à argent, il sera possible de jouer à niveau bonus, ce qui consiste à monter les escaliers jusqu'à la prochaine maison et tabasser tous les soldats qui essaieront de vous barrer la route avant le temps imparti. Après plusieurs maisons franchies, on remarque un petit défaut. Les cinématiques sont certes intéressantes et fidèles à l'histoire d'origine, mais elles sont vraiment très très nombreuses et assez longues. La boîte du jeu se vante d'avoir plus d'une heure et demie de cinématiques en 3D, ce qui est vraiment pas mal, mais ici cela pose un problème. Voici comment se déroule chaque épisode. Cela commence avec un petit résumé qui explique ce qui s'est passé quand les héros sont entrés dans une des maisons, mais c'est surtout pour montrer la puissance du chevalier d'or. Ensuite, nous avons le droit au titre de l'épisode, puis à une cinématique qui précède le combat. C'est seulement à partir d'ici que le joueur pourra prendre la manette pour cogner un peu. Cependant, les combats peuvent être vite expédiés si vous choisissez d'achever l'adversaire avec un Big Bang. Une fois le chevalier d'or vaincu, une nouvelle cinématique s'enclenche pour scénariser la défaite de votre adversaire et l'épisode se termine par le titre du prochain et on recommence le tout. Vous l'aurez compris, si vous choisissez le mode histoire, vous passerez plus de temps à regarder les cinématiques que jouer. Surtout que pour certaines maisons, aucun combat n'a lieu, comme pour la maison de la balance ou du sagittaire. Pourtant, cela permet de donner l'impression de regarder un épisode de la série. Une fois ce mode terminé, et si vous choisissez de le recommencer, vous risquez d'être surpris, car pour quelques maisons, des histoires bonus peuvent apparaître. Ces bonus vont permettre de débloquer de nouveaux personnages, comme Doko de la balance ou encore Seiyar en armure d'or. Vous aurez même l'occasion de franchir une 13ème maison et vous battre contre Shina en armure d'or, mais elle n'est pas jouable avec cette armure. Sinon, ce jeu offre un autre mode qui vous donne la possibilité d'incarner le grand pop et de défendre les maisons du sanctuaire face aux chevaliers de bronze. Il vous suffira de placer les chevaliers que vous voulez dans les différentes maisons et de combattre. Vous pourrez mettre qui vous voulez. Quand on commence avec ce mode, il est vraiment très difficile de gagner les combats. Pour ma part, je me prenais défaite sur défaite et les attaques Big Bang des adversaires étaient même imparables. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais devenu imbattable en bourrinage de manette. J'en avais même attrapé des ampoules dans le creux de la main. Et je vous jure que ça fait mal. Pour espérer gagner, il faudra attendre que le grand pop gagne en niveau, 50 étant le maximum. Pour cela, il faudra faire ce mode plusieurs fois. Plus on gagne de niveau, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs.
Vous pourrez par exemple soigner vos gardiens, ralentir les mouvements de votre adversaire en combat, l'affaiblir, voire même l'éliminer d'un seul coup. De plus, vous pourrez avoir certains bonus durant les combats, comme avoir une plus grande barre de vie, une puissance d'attaque plus élevée, une meilleure défense, avoir de nouveau sa barre de vie pleine si elle atteint 0, ou encore commencer le match avec le 7ème sens enclenché. Cela rendra les combats beaucoup plus faciles, voire même trop faciles. Pourtant, si on continue à jouer, les adversaires auront les mêmes bonus que vous, et Athéna aura également des pouvoirs pour affaiblir vos gardiens ou encore soigner ses chevaliers, ce qui rendra le jeu un peu plus équilibré. Un bon mode de jeu qui offrira du challenge et une autre vision de la saga. Sinon, vous pourrez effectuer des combats classiques contre l'ordinateur ou contre un ami. Le jeu propose une vingtaine de personnages, dont quelques chevaliers d'argent comme Marine, Sheena ou encore Misty, le chevalier lézard, et même les trois chevaliers d'acier. Ce ne sont pas forcément les personnages que l'on choisit le plus souvent, mais ils ont le mérite d'être là. On aura surtout envie de choisir le chevalier d'or de son signe et se mettre sur la tronche afin de savoir qui est le plus fort. Manque de peau pour moi, je suis Sagittaire et je suis donc obligé de prendre Seiyar en armure d'or qui n'a pas beaucoup de différence avec le Seiyar en armure de bronze. Pourtant, Ayoros apparaît dans les cinématiques. Sinon, lors du choix des personnages, si vous appuyez sur triangle au lieu de croix, le chevalier portera une armure surplis comme pour le chapitre d'Hadès et cela peut se faire pour tous les chevaliers. De plus, pour les chevaliers de bronze, si vous les sélectionnez en appuyant sur Start et Croix simultanément, ils ne porteront plus d'armure. J'ai joué de très nombreuses heures avec ce jeu durant ma jeunesse. Étant un très grand fan de la saga, j'étais vraiment aux anges. Pour vous donner une idée, il est possible de débloquer dans certains cas des images en plus des cinématiques et des musiques. J'ai réussi à débloquer 99% des éléments. Il me reste une seule image à débloquer, mais pas moyen de savoir ce qu'il faut faire. J'ai tout essayé, fait des perfects, joué avec tous les personnages, effectué toutes les attaques Big Bang, mais pas moyen. Cependant, on peut débloquer une dernière cinématique intéressante puisqu'il s'agit du véritable générique de la série animée, mais entièrement refait en 3D et elle est vraiment pas mal. Maintenant, quand j'ai refait le jeu pour cette vidéo, il ne m'est pas paru aussi bon que dans mes souvenirs. Les graphismes ne sont pas exceptionnels et les combats se ressemblent beaucoup. Mais j'y ai rejoué avec plaisir et j'ai passé un bon moment. On peut combattre dans 14 lieux différents, dont le Yomotsui, la Saka ou encore le Coliseum. Les musiques sont sympathiques et même s'il y a quelques erreurs de doublage et un gameplay pas des plus intéressants, j'ai apprécié ce jeu et j'en garde de bons souvenirs. Un an et demi plus tard sort un second jeu sur cette même console, mais sur le chapitre d'Hadès. Il s'agit d'un de mes chapitres préférés, voyons voir ce que cela vaut en jeu vidéo. On commence de nouveau avec le mode histoire où l'on peut remarquer plusieurs choses. Dans un premier temps, le jeu n'est plus en VF. Les voix seront uniquement en japonais. Les graphismes semblent avoir été très légèrement améliorés, mais je ne comprends pas pourquoi les cheveux de certains personnages ont des couleurs fluo, comme pour Mu, Yoga ou encore Sion, et même un peu pour Saga. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Ok, pas besoin de s'énerver. Les cinématiques en 3D sont désormais rares mais assez longues, ce qui compense un peu. En effet, les développeurs ont préféré simplifier les choses et utiliser des gros plans des personnages avec différentes expressions, expressions qui seront d'ailleurs recyclées durant tout le jeu et avec tous les personnages. Ce qui est un retour en arrière face aux cinématiques du premier jeu et cela ne s'arrête pas là, mais j'y reviendrai plus tard. Continuons avec l'évolution des combats. Et oui, ce nouveau volet offre quelques nouveautés. Tout d'abord, les terrains ont été agrandis afin de permettre aux joueurs d'avoir une plus grande liberté de mouvement, ce qui facilitera les esquives. Pourtant, on a l'impression que chaque armure est munie de fusées au pied car les chevaliers sont vraiment très rapides, peuvent se déplacer longtemps de cette façon et il est assez difficile de bien diriger le personnage. C'est pourquoi lorsqu'on arrive à atteindre l'adversaire, on a tendance à utiliser la technique du gros Kalinou. Je m'en suis servi un nombre incalculable de fois durant ces combats, voire même plusieurs fois à la suite. Ce qui permet d'ailleurs de remarquer que ces cinématiques sont les mêmes que le jeu précédent, à part une nouvelle animation pour les nouveaux personnages comme Sion. Cependant, les attaques Big Bang se lancent différemment. Il est toujours possible de charger son cosmos bien plus facilement d'ailleurs pour utiliser des attaques spéciales. A chaque fois qu'on remplit une barre de cosmos, on la stocke. Cette barre peut être comparée à un segment du jeu précédent. Selon le nombre de barres en stock, il sera possible d'utiliser une attaque Big Bang plus ou moins puissante. Plus vous utiliserez de barres de cosmos, plus l'attaque sera puissante. Il sera toujours possible de la contrer, mais je n'ai jamais réussi à le faire. En effet, dans le jeu précédent, il suffisait juste d'appuyer sur rond au bon moment et bourriner, mais ici, cela a été légèrement modifié. Il faudra toujours appuyer au bon moment, mais vous aurez une chance sur 4 puisqu'il vous sera demandé d'appuyer sur croix, carré, triangle ou rond. Et il vous faudra avoir des réflexes de folie puisque la fenêtre de tir est minuscule et rien ne vous permet de savoir à l'avance sur quelle touche il faut appuyer. À moins de se prendre l'attaque une première fois car il semblerait que la touche ne change pas durant un même combat. Une fois contré, il faudra appuyer sur les bonnes touches durant 10 secondes pour renvoyer l'attaque. L'attaquant devra quant à lui bourriner les touches croix, carré, rond et triangle afin d'augmenter le nombre de touches sur lesquelles son adversaire devra appuyer. Même l'ordinateur a du mal à renvoyer mes attaques. Si vous obtenez 4 barres de cosmos, il sera possible d'activer le 7ème sens manuellement, ce qui permettra d'utiliser durant un court instant autant d'attaques spéciales que vous souhaitez. Mais je m'en suis surtout servi pour lancer des attaques Big Bang. En effet, cela permet de ne pas vider sa barre de cosmos et pouvoir enchaîner les attaques jusqu'à ce que cela passe. Une fois le 7ème sens désactivé, il ne vous sera plus possible d'utiliser d'attaques spéciales durant un court instant.
il faudra attendre d'avoir de nouveau la possibilité de charger son cosmos. Ce nouveau volet offre également une nouvelle attaque qui se nomme la frappe du chevalier. L'attaquant et le défenseur vont devoir choisir l'une des trois actions qui leur sont proposées durant une limite de temps. Le résultat dépendra des choix effectués. Il vous sera possible d'enchaîner trois attaques ou au contraire être contré et recevoir des dégâts. Pour les connaisseurs, c'est un peu comme le Dragon Rush de Dragon Ball Budokai 3. Il n'y a pas grand chose à dire à propos des combats, parce qu'ils sont méchamment longs. Et oui, même si les combats sont plus dynamiques, ils peuvent vraiment s'éterniser. Le chronomètre commence à 600 secondes, c'est-à-dire qu'il est possible de faire des combats de 10 minutes. En effet, ce jeu offre la possibilité d'enchaîner des adversaires ou encore d'utiliser plusieurs chevaliers durant un même combat. Si vous perdez, un autre chevalier prend sa place. Bien sûr, cela dépendra du scénario. Cependant, si vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs personnages contre un seul adversaire, votre ennemi sera boosté avec une barre de vie très élevée et des attaques plus puissantes. Mais quasiment tous les combats tirent en longueur et on essaye d'y mettre fin le plus rapidement possible grâce à un Big Bang afin qu'il ne se relève pas. Au niveau du scénario, le jeu est encore une fois très fidèle à l'histoire originale, mais on sent que les développeurs ont fait ce jeu à l'arrache. On a déjà vu qu'ils ont recyclé toutes les attaques, les mouvements et les Big Bang du jeu précédent. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque durant tout le jeu, il faudra affronter quasiment toujours les mêmes adversaires. Durant la partie se déroulant dans le sanctuaire, à part un combat contre Aphrodite, Masque de Mort ou encore Sion, il faudra toujours affronter Saga, Shura et Camus. Pourtant, ce chapitre aurait permis de se battre contre de nouveaux personnages comme Yu du Papillon. Mais non, on ne les voit jamais. Ah si, pardon, on peut voir tous ces personnages durant des cinématiques à image fixe, voire même durant un temps de chargement. Cela signifie que les développeurs ont été conscients de l'existence de ces personnages et ont décidé de ne pas les faire apparaître. De plus, une fois aux enfers, c'est pareil, il faudra quasiment toujours combattre Radamante avec plusieurs personnages différents. On aurait adoré pouvoir se battre dans les différentes prisons du monde des morts, mais non. De plus, ce nouveau volet n'a pas de fin. Après quelques recherches, je pense savoir pourquoi. En effet, la première partie de la série animée racontant le chapitre d'Hadès a été diffusée du 9 novembre 2002 au 12 avril 2003, et la deuxième partie a été diffusée jusqu'en 2006. C'est-à-dire la même année que la sortie du jeu. La dernière partie de la série a été diffusée jusqu'en 2008. Je pense que les développeurs ont voulu surfer sur le succès de la série animée pour sortir un jeu et ramasser l'argent des joueurs. Durant tout le jeu, on sent qu'ils ont cherché comment gagner du temps pour le sortir le plus rapidement possible. La boîte du jeu se vante de proposer 49 personnages jouables, dont les armures divines et les armures de bronze dorées. Alors est-ce que c'est vrai ? Non. Déjà, les armures divines ne sont pas présentes. Ça, c'est une armure divine, pas ça. Alors pourquoi parle-t-on de 49 personnages ? Eh bien, le jeu propose tout simplement plusieurs fois le même personnage avec une armure différente. Ce ne sont donc pas 49 personnages, mais 49 armures, ce qui n'est pas pareil, car il n'y a aucune différence entre Seiyar portant sa première armure ou sa seconde. Enfin si, l'une permet de lancer des météores en attaque spéciale et l'autre une comète, mais il n'y a aucune différence de puissance et le joueur aurait dû avoir la possibilité de choisir quelle attaque il préfère utiliser avec l'armure qu'il souhaite. Un peu comme dans Budokai 3 quoi. Surtout que Budokai 3 est sorti 2 ans avant. Le jeu propose donc 4 fois chaque chevalier de bronze, dont une fois avec l'armure de bronze dorée, une fois Seiyar, Yoga et Shiryu en armure d'or, 13 chevaliers d'or puisqu'il existe 2 versions des Gémeaux comme dans le jeu précédent, les 5 spectres des chevaliers d'or qui n'ont aucune différence avec leur armure d'or à part au niveau esthétique, Marine, Shina, Orphée, un chevalier d'argent plutôt classe, Sion du Bélier, les 3 juges des enfers et enfin Kanon, le frère jumeau de Saga. Il a certes la même forme que Saga mais ses attaques sont différentes, on va donc le considérer comme un nouveau perso. Il y a donc 26 personnages et non 49, 29 si on compte les chevaliers de bronze en armure d'or. Presque tous les personnages ont déjà été vus alors que cette saga aurait pu apporter beaucoup plus. Surtout que certains persos ont disparu comme le chevalier d'acier et Misty. De plus, le jeu propose seulement 10 terrains dont la plupart ont déjà été vus dans le jeu précédent. Alors oui, ils ont été agrandis et les lumières ont été changées mais ça reste très faible. Quand j'ai acheté ce jeu, j'ai été extrêmement déçu. Même les autres modes de jeu ne sont pas extraordinaires. Le mode légende est en réalité un mode arcade où il faudra vaincre 12 adversaires à la chaîne, dont Seiyar en armure d'or. Le combat éclair qui est en réalité le même mode mais chronométré, et enfin le combat éternel qui est un mode survie. Certes, ces modes ont le mérite d'être là, mais ils sont beaucoup moins intéressants que le mode grand pop vu précédemment. Si la totalité des spectres avait été présent dans le jeu, on aurait pu faire comme le mode grand pop, c'est-à-dire inverser les rôles. Pourquoi ne pas essayer d'atteindre Athéna ? Ou encore empêcher les chevaliers de bronze d'atteindre Hadès et défendre les prisons ? Mais bon, ce jeu offre quand même quelques points positifs, comme la possibilité de jouer avec Ayoros, le vrai chevalier d'or du Sagittaire, ce qui est cool, je peux enfin jouer avec le chevalier de mon signe. Et le jeu propose comme précédemment la possibilité au chevalier de porter une armure surplis, ou encore à Sion de porter une armure d'or. Les spectres verront également leur armure changer de couleur. Après un premier volet pas très inspiré mais quand même agréable, cette suite n'aurait pas dû voir le jour aussi vite. Surtout qu'il n'y a pas de fin. J'avoue avoir été vraiment dérangé par cela car je connaissais déjà la fin de ce chapitre puisque j'avais lu le manga avant la sortie du jeu. Alors après un jeu comme celui-ci, on aurait pu penser à une nouvelle suite racontant la totalité de ce chapitre.
Mais non, on aura droit à un reboot avec de nouveau le chapitre du sanctuaire. Nous verrons donc dans la prochaine vidéo s'il s'agit d'une simple remasterisation du premier volet ou un tout autre jeu. Nous verrons également les dernières suites connues à ce jour. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour la seconde partie de cette vidéo consacrée au jeu sur l'univers des Chevaliers du Zodiac. Salut tout le monde! Grâce à son cosmos, notre jeune testeur a réussi à vaincre les deux premiers jeux sortis sur PS2. Cependant, il lui reste encore un long chemin à parcourir et de nombreux ennemis vont se dresser face à lui. Les forces du mal sont de retour et plus puissants que jamais grâce à leur nouvelle texture HD. Va-t-il réussir à libérer Athéna de sa malédiction qui l'oblige à revivre inlassablement ses tortures? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des Chevaliers du Zodiac! Enfin, presque. As-tu déjà senti ton cosmos intérieur? Qu'il a mes coups.